Ils se disent nantis des compétences en visualisation de données avec Excel. Ces étudiants se sont familiarisés avec les meilleures pratiques du programme d'Excel, comme l'explique cette étudiante. Étant donné que l'informatique est devenue très importante au niveau professionnel, cela va m'aider non seulement sur ce que je fais à l'école aujourd'hui, mais également à l'avenir. Les cas pratiques ont permis aux étudiants d'expérimenter les connaissances acquises. Dans mon domaine à moi, qui est un domaine géographique, qui lorsqu'on collecte les données, il faut forcément les analyser. Donc j'ai appris une connaissance très capitale. En ayant ce diplôme ou encore ce certificat, cela me réjouit énormément parce que j'ai acquis de la compétence, mais aussi mon certificat qui prouvera que j'ai bel et bien assisté à une formation. Dans le contexte du numérique, la visualisation de données est un processus permettant l'accessibilité et la compréhension des informations, ce grâce à des représentations visuelles, ce qui justifie l'objectif de l'atelier. Cet atelier de formation était très important aussi pour les participants. Ils ont appris ce que c'est, par exemple, la création d'une base de données. On a pu relever le niveau de plein de participants ici. On attendait 30 personnes au départ, mais on est arrivé à 50. Donc, c'est pour dire que Excel nous intéresse tous. En ma qualité de représentant, je pense que l'objectif premier, il a atteint, celui d'avoir donné la formation aux jeunes Congolais. La remise des certificats couronne la participation à cet atelier jugé indispensable à l'heure du numérique.